Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. De m'avoir parlé ce soir. De m'avoir parlé ce soir. Je reçois maintenant. Je reçois maintenant. Par l'onction de ton esprit. Par l'onction de ton esprit. La puissance. La puissance. De détruire. De détruire. Tout le pouvoir. Tout le pouvoir. De malédiction. De mauvais sort, de malchance, d'échec dans ma vie. Ce soir, toute puissance de malédiction de ma famille, je te brise et je te détruis. Tout hôtel de faux doux, de jeûne et de sort, de malédiction, de maladie, de chèque, de célibat, Qui a fermé ma vie,
et qui a fermé mon succès. Et qui a fermé mon succès. Ma bénédiction. Ma santé. Et ma réussite. Et ma réussite. Je le ferme aujourd'hui. Je le ferme aujourd'hui. J'ouvre un nouveau chapitre. J'ouvre un nouveau chapitre. Chapitre de bénédiction. Chapitre de bénédiction. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Chapitre de santé. Ouvre-toi. Chapitre de réussite. Chapitre de réussite. Ouvre-toi. Chapitre de abondance. Ouvre-toi. Chapitre de libération. Ouvre-toi. Dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, laisse-moi réprimer maintenant. Éternel Dieu, toi qui as vu la misère de ton peuple, toi qui as entendu ses cris, toi qui as décidé d'intervenir, tu n'as pas changé, tu es le même. Vois ton peuple qui vient de prier d'une façon unanime parce qu'il désire expérimenter cette puissance de délivrance dans sa vie. Tu es le Dieu qui soutient toutes choses par ta parole. Que la parole que nous venons de prononcer ce soir, à travers laquelle toi-même tu dis, tu combattras pour eux, que cette parole s'accomplisse, Seigneur. Combat, Seigneur, tout ce qui les a enchaînés jusqu'à ce jour, afin qu'ils puissent expérimenter le commencement de la bonne nouvelle dans leur vie, maintenant, au nom de ce Jésus qui se tient devant nous et au milieu de nous. Oui, Seigneur, tu as renouvelé toutes choses. Sur la croix de Jésus, tu as crucifié. Tu as crucifié nos infirmités. Sous la croix de Jésus, tu as crucifié nos malédictions. Sous la croix de Jésus, tu as crucifié tous ceux qui nous condamnaient. Sous la croix de Jésus, tu as fait charger sur lui nos maladies. Et par son sang, par ce meurtre sûr, tu nous as donné le salut. Par ce meurtre sûr, tu nous as donné la réussite. Par ce meurtre sûr, tu nous as donné la libération. Ô Seigneur, puisque ta croix est toujours là devant nous, que de cette croix coule le sang de la libération. Que de cette croix coule le sang de la libération. Que tombe toute puissance de malédiction. Que tombe toute énergie négative en ces lieux. Que tombe toutes les chaînes qui ont emprisonné tes enfants, Seigneur, parce que tu les veux libres et libérés. Tu as dit de lier les laisser aller. Seigneur, que ce soir soit une soirée de libération. Entraîne et ouvre les yeux de tes enfants pour qu'ils puissent voir les choses nouvelles que tu prépares pour eux. Tu as dit, voici, je vais faire couler l'eau du désert. Ne le voyez-vous pas? Ne le voyez-vous pas? Ne le voyez-vous pas? Que ton eau, Seigneur, coule du désert. Parce que toi seul ce soir, Seigneur, peux changer notre vin. Oh Seigneur Jésus, toi qui as changé l'eau en vin au Cana, viens changer, Seigneur, l'eau de tes enfants ici. Pour qu'ils puissent goûter au vin nouveau, qu'ils puissent goûter dans leur vie au vin nouveau, qu'ils puissent goûter ce soir au vin nouveau, Seigneur. Toi seul, Seigneur, toi seul, peux nous relever de notre handicap, comme tu l'as fait avec cet homme qui pendant 38 ans était handicapé. Tu es venu, tu as dit une parole. Seigneur, ce soir, que ta parole qui a été prononcée leur élève de leur handicap. Qu'ils puissent marcher, qu'ils puissent marcher, qu'ils puissent marcher, qu'ils puissent prendre leur poids ce soir. Le poids qui le portait, qu'aujourd'hui, Seigneur, ils puissent le porter. Le poids qui le portait, que ce soir, ils puissent porter le poids pour retourner chez eux, debout sur leurs pieds. Toi seul, Seigneur, toi seul, peux ouvrir nos yeux, quelles que soient les années où nous avons été dans l'aveuglement, comme tu l'as fait avec cet aveugle de naissance. Et ce soir, Seigneur, passe au milieu de ce peuple. Ouvre leurs yeux, ouvre leurs yeux, ouvre leurs yeux, Seigneur, pour qu'ils voient les choses que tu prépares pour eux, qu'ils voient les bénédictions que tu descends pour eux, qu'ils voient la puissance de libération que tu as en train de déployer pour eux, Seigneur. Ouvre leurs yeux pour qu'ils voient ce soir, qu'ils voient cette armée céleste que tu déploies pour combattre à leur place. Ouvre leurs yeux, Seigneur. Ouvre leurs yeux qui sortent de l'aveuglement et qui puissent voir, oui Seigneur, toi seul,
Toi seul peux nous faire sortir de notre tombeau, quelle que soit la senteur qui a dégagé de notre vie. Les gens nous ont fui parce que nous sentions mal. Les gens nous ont fui parce que nous avions une mauvaise réputation. Ce soir, Seigneur, comme tu l'as fait avec Lazare, viens sortir ce peuple de leur tombeau. Viens sortir tes enfants de leur tombeau pour qu'ils puissent marcher de nouveau, qu'ils puissent vivre de nouveau, qu'ils puissent vivre une vie nouvelle que toi seul donne par le souffle de ton esprit. Je commande à tout ce qui les a ligotés pour les enfermer dans les tombeaux de les quitter maintenant afin qu'ils sortent de leur tombeau et qu'ils marchent dans leur destinée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, et que ton peuple, Seigneur, ce soir, expérimente les choses nouvelles que tu as préparées pour nous. Merci, Seigneur Jésus, de passer au milieu de ton peuple. Merci de le toucher. Merci, Seigneur, de le toucher. Merci, Seigneur, de le toucher. Merci, Seigneur, de le toucher. Est-ce qu'on peut chanter en douceur? Je demande à ceux qui parlent en langue, on peut prier en langue. Mais on peut chanter en douceur, on va prier en langue, s'il vous plaît. Ok. L'Esprit Saint, c'est la puissance même de Dieu. L'Esprit Saint vient mettre en action ce que nous demandons à Dieu. Alors nous allons prier en langue. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir achever ce que nous avons demandé dans la foi. Que le Saint-Esprit achève ce que nous demandons dans la foi. Oh,
tout au long des chants en langue, tu m'avais fait sentir comme une vision intérieure, comme une nuit qui planait sur l'assemblée. Et tu m'as fait sentir des personnes que tu as libérées dans cette assemblée, Seigneur. Je te bénis pour tous ceux que tu as libérés ce soir. Et je sens encore ce flot de libération qui coule dans cette assemblée. Et ce soir, le Seigneur est venu vous libérer. Vous allez vraiment, vraiment constater de grandes libérations dans votre vie par le Seigneur ce soir. Acclamez-le. Jésus, mon Dieu.